On va dire quelqu'un qui ne lift transport, on y transport à Banjo du monde. Quelqu'un de ce type-là qui n'a reste qu'à bon que ce moment, pour être capable de ce moment et sur une tontine, pour pouvoir venir me rendre grâce à Dieu. Un autre quelqu'un sorti Sébastopol, dans le travail Saint-Julien, après dans la boutique QAP, puis prendre quelqu'un de lift pour venir, venir réduire après à quitter, me rendre grâce à Dieu. Et que le Seigneur bénisse tout, qui finit d'une façon ou d'une autre, au niveau ballon et transport. Dieu est bon. Un petit gain pour partage. Depuis Dubaï, le matin, qui gagne à vous-même mes sens, pasteur, qu'on peut prêcher dimanche, qu'on peut écouter, qu'on peut recevoir dans le parc, qu'on peut faire l'exercice. Pasteur, ma parole là, c'est pour moi. Quand vous êtes 3 mois par les affaires, vous êtes planifié l'année prochaine, parole là pour moi, vous venez pour moi, je me rends grâce à Dieu pour ça aussi. Dieu est bon. Et pareil, comment la dernière fois qu'on a fait réunion à auditorium, on était dans la famille. M'appelle Samson. Est-ce que c'est long? M'appelle Samson. D'accord, est-ce qu'il faut aussi ou non? Alors, Père Samson et sa famille commencent une église, par la grâce de Dieu. Et ça dimanche, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes à l'auditorium, nous avons une nouvelle famille qui vient pour la même poussière. Ouais. M'appelle Esther. La reine Esther. La reine Esther qui commence à venir, c'est difficile pour venir sur mon allié. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, alors directement la parole de Dieu. Nous servons tous dans le nom de Jésus, il te donne grand la joie, un privilège, la grâce pour nous-mêmes, pour nous capables de vous parler dans eux et pour nous mettre la parole de Dieu ensemble. Je te dis, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. On élève la parole de Dieu. On élève la parole de Dieu. Allez, prends-je la Bible, je te prends-je la Bible. Lève-je la Bible, mais je trouve table, si je la Bible là-dedans. Lève-la là haut, je la tête. Je te dis, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les pourrais sans tout temps. Là-haut, mon la tête. Là-haut, mon raisonnement. Là-haut, c'est qui me lisait trouvé. Là-haut, c'est qui m'aurait entendu. Là-haut, c'est qui m'aurait senti. La parole de Dieu, il pourrait être là-haut, en tout temps. Amen. Vous entendez ce que je veux dire? Je le disais, capable de dire de bonnes affaires, dans les circonstances, capable de dire de bonnes affaires, tous les temps, je prends la parole de Dieu, je l'ai mis là-haut, en tout temps. Amen. Et je répète cette prière, nous disons Seigneur Jésus, mon commande, mon pensée, mon équerre, mon attitude, mon âme, mon imagination, mon homme intérieur, mon captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Dieu donne-moi, serez-vous tendé, lisez-vous trop clair, la main vous fait du bien, lisez-vous trop clair. Aucune petite chose, pas capable avec les mains, pas capable bouger nos oreilles, dans le nom de Jésus. Dieu qui m'a servi, est Dieu des délivrances. Délivrez-moi, Seigneur. Amen. Psaume chapitre 68. Ah, c'est écoute ça, prenez ça. Dieu est un Dieu des délivrances. Psaume 68. Non, ça va être sûrement un peu plus moi, sur le 68, verset 4. Verset 20. Non, quelqu'un. Ah oui, oui, verset 21. Voilà, voilà. Voilà, verset 21. Parfois, dépend de la version de la Bible, un verset avant, un verset après. Je te dis, Dieu est pour nous, un Dieu de délivrance. Sur le 68, verset 20, la Bible dit nous, Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu a pour nous la délivrance. Dans différents carrés de la vie. Aujourd'hui, nous pouvons commencer une série message à partir d'aujourd'hui, pour parler même les langues samedi, dimanche, plutôt dimanche aussi, on t'a ici. Dieu vous délivre nous de tout bon zéant qui nous peut faire face. Dans la vie, il y a plusieurs qualités zéant. Nous vous montrer comment Noé tient la main géant, Moïse tient la main géant, bien sûr, nous tous nous connaissons, David tient notre main géant. Et nous devons analyser encore comment on dit dans la vie de Dieu un géant. Et ça, quand tu servis une méthode, David tout seul, c'est pour un rose sur un océan. David tout seul. Les autres, c'est dans les autres techniques, les autres façons pour dire que tu fais un géant tomber. Mais déjà, dans la vie, différents du monde, dans différentes qualités circonstances, différentes qualités problèmes. Dans la Bible, nous retrouvons dans un géant qui la Bible définit à eux comme un man qui gagne d'un gros statut, un bel, un peu, 10 fois plus grand que man du monde normal. Un géant, nous retrouvons dans la Bible aussi, dans un verset de la Bible, que dit à un géant, se tient en 10 les doigts, sorry, 6 les doigts dans la main. Nous, nous sommes dans 5,
banatse nan 6 l'école an lamè, 6 l'éjoua, 6 l'éjoua la li pi ote. Nou voutrou nan la Bible an zéan ke nan long li kou. Long li kou. E nan sa nan la Bible, nou pouke tout sa la semaine a venir. Dans la Bible, il y a plusieurs bandes énormes, étranges, en forme. Dans une shape, they are strange. Ce zéon. Nous, tout bandes zéon est né. Bandes zéon fait dominer le bandes moun. Nous, tout dans la Bible, il y a bandes zéon que tu n'as pas qu'à s'attendre bon Dieu l'éternel, je dis au bon Dieu. D'ailleurs, Goliath, il est bouffonne le nom de Dieu. Il est ridicule, moque. Et le verset dit zouri. Il est zou bon Dieu. Ben, disons quoi, quand je grand, je t'ai besoin comme ça, peine une personne qui a mis de la loi, peine une personne qui a mis de l'eau dans eux. Je pas fait ce qu'ils ont dit. Et tu m'as dit, tu m'as dit, je fais dominer. Arrive un moment dans la Bible, là, nous vous trouvez dans un zéant politique. Ben, zéant politique, ben, dis qui est en power ou bien authority. On a besoin d'un giant of power ou bien authority. Ou quand j'ai mentionné, dis-vous, peine une personne, après un allemand, bien, un certain groupe, dis-vous, de belle haute, mais le latin, peine un bel zéant. N'empêche que dans la Bible, je vous trouve arrivé à un moment donné que c'est pas un zéant physique, naturel, bel haute, Benjamin qui t'y naît. Arrivé à un moment que Benjamin, par exemple, Pharaon, sa puissance, l'autorité qu'il tient en tant que ministre, en tant qu'il est roi, Nebuchadnezzar, César, Hérode, c'était un géant qui tient le pouvoir de son armée. Vous pourrez dire, le premier type de géant, c'était un géant physique. Physiquement, c'était un zéant. D'accord? Deuxième type banzéant. Deuxième type banzéant. C'est banzéant qui tient la puissance, tient l'autorité, tient la power. Banzéant qui tient le pouvoir. Personne n'a fait ce nom, il fait ce qu'il se fait. Par exemple, Pharaon, Nebuchadnezzar, César, Hérode, c'est banzéant. Mais parfois, tu vis toi en tant qu'enfant de Dieu, tu as envie de faire un business, tu as envie de demander quelque chose, tu as envie de faire des gens, mais tu as obstacle. Parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que du monde, nous, en tant que quelqu'un qui croit de Jésus, nous avons fait des manches, nous avons fait des affaires, avance-moi dans nos vies, nous avons ouvert un business, une usine, des affaires, nous, on va prendre ton permis. Pas besoin de ta patente. Pas besoin de toi parce que, père, pour quelle raison? Tu parles de couler. Un exemple, on peut donner. Arrive un moment dans la vie, dans la Bible, nous trouvons un demande géant intellectuel. Premier géant qui nous causait, c'est physique. Deuxième géant qui nous causait, jeune homme. Benjamin qui a le pouvoir, l'autorité, l'influence. Ok. Troisième zéant, c'est Benjamin intellectuel. Au nom de Jésus-Christ, bon Dieu, pour donner nous victoire, tout ça va là. Pour voir les kits dans qui domaine, et la Benjamin qui revient dérange nous, nous vous trouvez comme un bon Dieu pour donner nous délivrance, tout ça va nous faire. Dans la Bible, il y a une analyse Benjamin qui est Benjamin intellectuel. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Gamaliel. Gamaliel, mais Gamaliel, il y a un qui est Jean Boulier dans le Nouveau Testament. Ça, quelqu'un est un phénomène. Il y a un télo, il y a un intellectuel avec Yann Paul Chapin, avant qu'il se ravisse en Zélie comme Jésus-Christ, Paul, sur le dos, Paul, l'apôtre Paul, qui fait un miracle, l'apôtre Paul qui dit qu'il y a beaucoup de chapitres de la Bible, sur ce professeur, il y a un télo. Quand on trouve Paul, c'est un mot bien faux. Quand on trouve Paul, c'est un mot comme justification, sanctification. Quand on trouve Paul, c'est un mot bien joli, bien mauvais. Paul fait une phrase bien intellectuelle. Dans la Bible, quand on lit la Bible, il n'est pas pareil comme les autres livres. Parce que Paul se professeur tient bien, un savant. Dans la Bible, il y a aussi un sage. Quand Jésus même tient un Dieu bien intelligent, il sortit des vies dans l'Asie, que ce soit pour appeler la Chine, l'Inde, n'importe quel autre pour appeler l'île, un Dieu sortit bien un savant. C'est des wise men, un savant. Et dans si on sortit bien, je te quitte que Dieu d'un lait, rappelez-vous de ça, pourquoi pas tient un timetable, pas tient un calendrier, pas tient un monde. Je me sortis, je ne guédis pas de position sur les étoiles, je me sortis des vidéos, je ne parcours, un lait spécifique, pas tient un train, pas tient un ciment droit. Moi, par contre, comment je ne fais, je ne passe, je ne finis, comment Jésus naît, ça va être pour elle, dans sa semaine, je me suis dans l'endroit là. Qui consiste un petit sage? Un dis-moi qui tient la sagesse. Moïse, dans l'époque Moïse, c'est un sorcier qui est bien sage. Un sorcier qui manipule ben la poudre, qui manipule ben Djibouak, qui manipule ben Zafir. Ben n'a pas ben la poudre, c'est de l'élo de l'élo sans Zéline Tivin. Amen? Non, pas Tivin, c'est Zéline Tissan. Il n'y a pas d'amène de tout ça fait qu'il passe te dire. Vous entendez qu'il passe te dire, là où j'amène. Ben sorcier là, tellement ce qu'on investigue, qu'on développe des ben Zafir, ce qui prend la poussière, ce qui se dit comme ça. La poussière vient de l'époux, mais une pisse.
Man so si la, si ti bon so di bwa, ti se en ba, di bwa, du bwa. Pwè man, pa mè. Zo ki ti la. Ok. Zo pran di bwa, zo di en ba, di bwa bin si e pan. Apen sa, de stor Moïse. Dans l'époque Daniel, tu n'as pas du monde avec high IQ. Les rois, rappelez-vous, les rois, pratiquement, il n'y a pas de qui du monde pour travailler dans ce royaume. Le royaume Babylone, il dit un des derniers royaumes qui tiennent pour renverser. Tiennent un royaume Pharaon, tiennent un royaume l'Égypte, tiennent un royaume, ainsi de suite. Après, tiennent un royaume Babylone. Dans le royaume de Babylone, tiennent un savant, un du monde qui tiennent l'examen pour composer. Et même que Daniel peut trouver 10 fois meilleur. Tiennent un du monde intello de façon extraordinaire de l'époque Daniel. Et qu'elle soit rendue à Dieu. Dieu donne victoire, tout le monde dit, Dieu donne Noé, il donne Daniel victoire, il donne David victoire, le tout le monde est en physique. Bon Dieu, il donne Daniel, Joseph, Moïse victoire, le tout le monde est intellectuel. Bon Dieu, vous donnez victoire, mon frère, c'est le n'importe qui est capable de vivre de nous, pour dominer. Quatrième géant finance. Quatrième géant, qui la Bible fait mention, c'est le giant of money, the giant of finance. Man zéant qui t'y contrôle casse. C'est un moment, justement, de voir Pharaon, parce qu'il y a une personne qui risque Pharaon. Et c'est Joseph qui fait les vignes. Parce qu'il a pu dire à travers Joseph, ce sagesse, ce intellectuel, de t'y faire tout l'or sur notre pays là, en côte Pharaon. Imaginez qui quand c'est Joseph qui est intelligent. Et imaginez qui quand c'est casse qui vient là, à flûte qui tue. Et on sait qu'est-ce qu'on s'est daté à le pharaon, tu non, à travers Joseph. Bon, c'est une stratégie. Bon, inutile. Par le moment, sous Boulin Kiken, la reine qui m'appelle la reine de Sheba. Vous êtes quoi la reine de Sheba? Et moi, il tient la casse. Il t'a dit, du monde qui appelle Salomon, peut causer. Il décasse, il paye un transport, il paye un biavion, il paye un jet qui allait, il passe, il se peut écouter ça, mais c'est là causer. C'est à dire, ça causer. Et amener un tas de l'eau, l'ozone, il devient pour y aller. Quand c'est qu'est-ce qu'il tient? La reine de Sheba, viens, faut tricher. Dans l'île de Genèse, il y a un roi qui appelle Abimelech, quand lui-même, Abraham, pour le cacher, pour le refuge, ça les voit là, il était bien possédé, il y en a beaucoup, pas possédé par une démon, il était bien riche, fort riche. Alors, comme ça, il y en a plusieurs des rois, il y en a un démon dans la Bible, quand Zotikon fait partout, la Bible a besoin d'un partout de Tarchis, après une sœur dans la Bible, partout de Tarchis, quand Joseph, Jonas, il rentre partout par Tarchis, partout de Tarchis, il rentre dans des bonnes places. Qui personne ne peut aller aventurer dans la place, qui personne ne peut aller dans le navire de Tarchis. Et bien là, ça allait pour tirer l'eau, pour tirer pierre précieuse, et puis dans la mer faire. Là, par contre, tirer pierre précieuse, tirer l'eau, tirer le diamant, tirer les affaires de valeur, et puis dans l'île, et puis dans. Comment on a fait les affaires ouvertes de tirer le diamant là? Rien? Zuit. Beaucoup m'ont fait une copie et puis dans la Bible, tu connais. Beaucoup m'ont fait une copie, et puis dans la Bible, tu connais. Beaucoup m'ont fait une copie, et puis dans la Bible, dans l'île. Batoula écrasé, et un tas d'eau et un tas d'amour là-dedans, d'un gars qui a été la touche fois qu'on est un tas d'eau là-bas, et aller pour reprendre Batoula, l'hélicoptère pour venir pour les Batoula, pour monter, pour venir. Je viens de désanimer ou quoi comme ça, non? L'hélicoptère est venu, reprendre Batoula, mais aller là. Non, pas désanimer, un vrai film ça. Pirates des Caraïbes, ainsi de suite. C'est pas un film ça. Dans ça, l'époque-là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu c'est en naviguant, même qui va découvrir Maurice, il découvre la Réunion, il va l'autour. Et il ne veut pas prendre l'argent aujourd'hui, mais si pour Jésus, c'est un monde qui est fort riche. Chaque génération, maintenant, l'amour cause spirituel. Chaque génération, il fait face à un géant. Chaque génération, il fait face à un géant. Dans l'époque de Lot, c'est un monsieur qui s'appelle Lot, avec sa madame, avec sa famille. C'est une immoralité extraordinaire, mal protégée. Madame Tuni, Monsieur Tuni, c'est aussi, mais mal porté, faire mal élevé aussi, mais faire mal élevé dans tout quoi la rue. Faire mal élevé, tiens, ça fait détail. La Bible, justement, Sodome et Gomorre, c'est un pays en bas là-haut, malin, mal propre. Cette immoralité-là, c'est un zéant spirituel, immoralité. Arrivé à peu de temps, on trouve Abraham pour faire face à un autre zéant, la famine. Et la famine extraordinaire, manquement. Tout le monde a l'abondance, tout le monde peut préparer pour faire fête, pour faire l'année 2022, nous venons à casse, passe des rations, nous venons à casse. Tout le monde peut dire combien de boucs tu as, combien de boucs, combien de livres, boucs. Combien de poissons tu as, combien de poules licoutounis tu as, pour l'année. Combien de poules frais tu as, combien de poissons frais tu as. Tout le monde a acheté, mais parce que comment, il n'est pas capable. Parce qu'il est un zéant, manquement sur la vie. Un la famine, un manquement.
Après, mauvaise idée de jeter une base en sortie, semaine qui vient, nous vous trouvons comment, bon Dieu, vous donne une victoire de tout ça. Malheureusement, une partie du monde, tout le long de la vie, ils disent de rester dans la guerre. En ce moment, en Ukraine, il y a mal des enfants, ils naissent en Ukraine, ils gagnent deux ans, voilà. Un certain fait, ils connaissent la guerre, bon, coupé, bon, éclaté, maman, tu es là, maman n'est plus là, bon, il perd de la case. Ça va dans un moment, et puis je connais la guerre. Ils disent des anges ont gagné là. Mais dans la Bible, il y a la guerre qui a duré pendant 40 ans, pendant des années, des générations. Il y a la guerre qui a déroulé dans la Bible, ça. Hey, pour un exemple. Comme un Philistin qui a la guerre contre Israël. Un jour, la langue de Goliath est venu. Mais des années, je ne crois pas qu'il y a la guerre même en Israël. Il y a la guerre qui persistait. Il y a la guerre qui est venue, tu as tout un mari dans la case. Il y a la guerre qui est venue, tu as tout un mari, tu as tout un homme. Il y a la guerre qui persistait dans une génération que aucun des enfants d'histoire n'a réussi à l'université, n'a réussi à apprendre, parce qu'ils commencent à venir d'histoire à la guerre. Il y a la guerre continuelle, comme pour nous, il y a la case de Manjumun. Virer l'année venue, il y a la guerre, une discussion pareille, une querelle, une bataille. Ou bien terrain, ou bien possible, ou bien pas là. On a besoin de rien de savoir. Et grâce à mon Dieu, je pouvais tout ça, comment mon Dieu me donne une victoire, ça va dire. Nous avons aussi Manjumun qui est méchant. En méchanceté, en démon, je purement méchant. Je dans eux, des nazis pure méchanceté. Et dans 100% méchanceté. C'est Zabel. Un exemple là-dedans. C'est Zabel. Un autre là-dedans, c'est Haman. Tu te rappelles Haman? Haman qui te refait tout pour tuer un juif. Qui a été méchant? Qui a été petit démoniaque? Ça, tout là. Il prend une décision pour cette décision. Il a envie de tuer tout. Comme on dit, tout, c'est tout. Tuer tout un juif. Maman, papa, titi, madame enceinte, dit monsieur qui vient, papa qui a amassé, dit qu'il a pris l'hôpital pour prendre l'oxygène, tout il ici. Tout juif puis en l'air. Ça peut être comme ça en mentalité. Amen. Là, juste parce que vous avez prêché. Et puis, il y a un fils de Bélial qui t'apparaît, c'est un Nabal. Nabal, si tu as une bouquinée, voilà la case, ça arrive, il m'a dit, ce madame, ben, en fait, ça arrive de. Non, tu vois. Père de Dieu, je vais vous donner tout ça un exemple pour expliquer n'importe qui, Goliath, n'importe qui, Zéan, où peut faire face, nous avons un bon Dieu qui peut donner une victoire absolue, totale, complète. Nous avons aussi un démon qui. Je pense que vous êtes intouchable. Je suis content. Je pense que vous êtes intouchable. Et tellement ce bon Zéan, je ne sais pas qui je vais trouver. Tellement ce Zéan. Je ne sais pas qui fait, je ne vais pas trouver. Notre frère, ça va dire dans le travail, qui croit que je demande son niaise, qui croit que tout est permis pour eux, qui croit que je prends tout madame les qui du monde, qui croit que je suis capable de prendre tout le travail des autres qui viennent là, qui croit que je suis capable de tout balancer les qui viennent comment je dans le là. Ça va dire là, ça va être un qui cause comment je vais avec toi là. Je crois qui, je ne vais pas demander sur la thèse, je demande sur les affaires. Elle nous a fait. C'est mon petit, ça va dire là, quand je suis en bas, je prends toujours les pieds. C'est nous, nous disons. Je pense que c'est intouchable. Bon Dieu, donne une victoire. Donnez un beau plaisir. Vous avez un amen? Ok, nous commençons. Et moi, comme ça, quand je fais une étude de la Bible, mon frère, monsieur, monsieur, madame, je suis content, je prends les Genèse, après, je parle même, je rigole pas tout. Par exemple, tu fais de la manipulation. Quand je fais une étude de manipulation, nous prenons les Genèse, nous allons jusqu'au Nouveau Testament avec les apôtres. Nous vous faisons pareil pour Dieu peut donner une délivrance au 21. Première place de la Bible que nous avons dans c'est dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1. La Bible dit moi, dis-moi, commence à multiplier la terre. Quelqu'un qui a dit pour moi, s'il vous plaît, en français, vas-y, mon garçon, bien fort. Genèse chapitre 6, verset 1, bien fort. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prièrent pour femme parmi toutes celles qui choisissent. Verset 2, verset 3, jusqu'à verset 4. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ok, de vous cause tout ça là, écoute-moi bien. Et là, c'est l'histoire de Noé, là, hein, si vous ne parlez pas, déjà où? Dans le verset 8, Noé trouve grâce devant bon Dieu, et là c'est Noé peut vivre. Ok, nous posons intimement là. Donc tu as vu la question de l'attention d'un affaire. Dans un verset côté d'un fils de Dieu,
fils de Dieu. Je te jamais fils de Dieu, moi. Je te jamais fils de Dieu, moi. Je te jamais enfant bon Dieu, moi. Ok. Dans ce même contexte, côté nos enfants, fils de Dieu, dans ce même contexte, ça se trouve dans Zéa. Première place que la Bible est servie le mot géant. Géant. Là-bas, aussi, bon Dieu paye de l'importance d'une valeur enfant de Dieu, fils de Dieu. Donc, on va faire attention à des jeunes affaires. Est-ce que la Bible dit avant Zéan, tu peux multiplier le latin? C'est la Bible qui dit à toi un petit peu. Est-ce que c'était avant Zéan qui tu peux multiplier le latin? Ou bien il dit avant fils de, avant fils, avant enfants, avant Dimoun, qui tu peux multiplier? Avant Dimoun. Regarde-moi bien. Démon, pas capable de multiplier. Démon, pas vite beaucoup. Pas capable d'être nombreux. Même quantité de démons qui tiennent en premier jour comme un activé de démons, même quantité de démons en cola azodi. Nous, frères, nous le disons, démons capables de multiplier les enfants, mais beaucoup, démons non. Quantité de démons qui tiennent dans l'époque Adam, mais c'est pareil dans l'époque Jésus. Et pareil dans nos époques. Tout bon démon que Jésus vainc, tout bon démon là nous signe de la victoire. Sa habilité pour reproduire, sa habilité pour venir beaucoup là, sa habilité pour venir nombreux là, bon démon peut dans sa habilité là. C'est démon nous qui dans sa habilité là. Et nous parlons un peu plus loin, c'est-à-dire. Genèse chapitre 1, quand bon démon vient démon, allons dire, on peut donner l'exemple, maintenant autant, on peut donner l'exemple. Allons dire, tu as 1 million de démons. Un exemple, c'est, pas tu as 1 million, tu as plus, on peut donner un exemple. Tu as 1 million de démons. D'accord? Pas tu n'as aucun chrétien de ça à l'époque, Adam et Ève fait péché. Tout le monde, tu peux vivre dans mes chances, même. Dans l'époque Jésus, un parti du monde, il commence à suivre Jésus. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 120 du monde, qu'il a repris prier. Combien du monde? 120. Combien de monde? 120. Réponds-moi. Combien de monde? 120. Avant 120, c'est dans 10, Jésus avec ce 12 du monde. Combien de monde? Jésus avec ce 12. Comment il fait? Comment il fait? Allez, Ryan. Si tu es dans 1 million de démons, à 5 existe 13 comme ça. Regarde. Dans les apôtres, nous trouvons que tu es dans 120 du monde, tu montes là-haut, tu peux prier. Combien de monde tu comptes avant démons là? 120. Combien de monde tu connais qui a 10 ou? Il y en a plus qu'un million de chrétiens sur la terre. Il y en a beaucoup de chrétiens sur la terre. Comment est-ce qu'on peut réaliser que tous les jours, il y en a des gens qui donnent celui qui a Jésus dans le monde. Dans Maurice, on dit Maurice, n'importe quoi de ça, tous les jours, il y en a des gens qui parlent comme des enfants qui sont nés sur la terre. Pareil. Pareil, comme la terre, tous les jours, il y en a des gens qui. Né, il y a un démon qui donne sur les cœurs à Jésus partout. C'est vraiment bien. Un million de démons, là, il reste un million même. Oui, un million de démons, il reste un million même. Lui. Le corps de Jésus, qui devait venir? Il devait venir plus grand, il devait plus nombreux, il devait venir plus fort, il devait plus puissant. Vous avez un jour, amen. À cause ça, pour les amens, il ne peut aucun démon. À cause ça, pour les amens, il ne peut aucune situation démoniaque. Parce qu'il y a un démon sur la case. Allez, à Alsace. Parce qu'il utilise un finger party, il utilise un raclé avec des dents de manfred de mancière. Vous pouvez comprendre? La main gauche utilise une calotte. Peut-être un chrétien en Chine. Un chrétien de la Chine, tu finis une calotte. Bah! De côté de la main gauche, tu gagnes. Ça frappe de la main côté droite. Bah! De l'autre côté de la main. Hein? Maintenant, ce chrétien en cours qui veut prier, bah! Un coup de pied, bah! Démon, il n'a pas multiplié, monsieur, madame, mauvais amosseur. C'est le corps de Jésus-Christ qui peut venir de plus en plus grand, plus en plus fort, plus en plus. C'est la raison qui fait le diable, on ne fait plus beaucoup de monde, c'est dur. Okay. Et rappelez-vous aussi, ben Zéon n'a pas pu multiplier. C'est ben enfant de Dieu, c'est ben fils de Dieu qui peut multiplier. Vous êtes un amen. Amen. Vous êtes un béni. Amen. Maintenant, je suis content de montrer ce dossier dans sa première place. Et tout le temps, vous dites ça, c'est la première fois que vous dites ça. N'importe quand dans la Bible, première fois, il y a une affaire, il fait une mention. Et vont dire pour donner beaucoup d'explications autour de ça. Par exemple, première fois dans la Bible que tu as vu le mot l'offrande.
c'est quand Caïn tu donnes sur l'offrande à l'époque, pas tenant la loi, pas tenant la promesse. Caïn, quand Caïn tu donnes sur l'offrande, pas tenant aucun verset, la Bible, bon Dieu, pas tenant donner de vous gagner 100 fois plus, donner pour ouvrir l'église et plus de cieux, donner en retour quelque chose pour gagner. L'offrande qui ne nous pour donner bon Dieu, sous base même qu'on nous donne, c'est pas pour gagner quelque chose avec bon Dieu, c'est pas pour lui multiplier les vies mille fois plus. Ça peut arriver, oui, mais raison, c'est pas parce qu'il ça. Première place, la première fois dans la Bible, côté dans l'offrande est donnée. Peine aucune promesse qui te donne quelque chose en retour. Quand tu dis honneur bon Dieu, maintenant je dis amen. Après ça, quand tu me donnes bon Dieu, il n'y a pas quand arriver à nous dire honneur bon Dieu. Oui, que ça dépend comment tu es comme une mort. Un dimoun est marié avec un autre dimoun. À cause de marié, ils ont une relation intime. Mais est-ce qu'ils ont marié juste pour une relation intime? Relation intime, relation entre mari et femme, du coup, vous dites parce que je suis marié. Mais je ne suis pas marié pour ça. Nous donne bon Dieu l'offrande, pas pour gagner bénédiction. Pas pour bon Dieu menace celui qui dévore. Pas pour tension malé arrive moi. Non! Nous donne bon Dieu la dîme l'offrande parce que nous honorons un point, c'est tout, point, l'année finie. Première fois dans la Bible, quand on a le mot worship, première fois dans la Bible, quand on a le mot adoration, être servi, c'est quand Abraham, tu n'as pas besoin de son offrande, son garçon, son sacrifice, et tu as besoin d'adoration, et tu as besoin de garder pas de bon Dieu, non. Et là-bas, tu n'as du bois, tu prends du bois, tu mets dans les deux sa garçon là, et tu peux monter là-haut, ça du bois, il a besoin de la croix de Jésus. Jésus, le worship, il n'est pas complet sans la croix de Jésus. Vraie adoration, c'est basé sur ce que Jésus fait. Amen. Il y a beaucoup de révélations là-dedans, de ça, bon, nous avons encore une chose à faire. Alors ici, dans un contexte Genèse chapitre 6, quand on dit, vous savez, la première fois, le mot géant, vous savez, Montessori aussi, qui travaille avec un géant vert. Dans nous, l'époque, spirituellement parlant aussi. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets 5? Bien, verset 5, tu peux comment? L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On trouve ça? C'est ça une phrase qui est assez pour décrire nous le but, mission, assignment de Van Zéon. Que ce soit Van différents Zéon qui nous fait faire manchot, ou bien Van Zéon en termes de Van la force spirituelle, ou bien Van l'esprit mauvais aussi. Et qui Van Zéon qui nous peut causer, donc qui nous fait une victoire. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est promouvoir méchanceté. Faire aux enfants vivre dans méchanceté, aux enfants un comportement méchant, ou une méchanceté, puis faire comme tout. On avait fait méchanceté contre nous, méchanceté, wickedness. Déjà, un plaisir. Imagination de son cœur. Pensée, imagination de leur cœur. Comment on sait? Ma puissance démoniaque qui commande les séances de l'homme pour but de ma mauvaise pensée dans les démons. Ben, écoute-moi bien. Nous ne sommes pas capables d'empêcher un oiseau en vol contre la tête. Mais nous sommes capables d'empêcher une fête nique contre la tête. Tu peux aller, tu as une pensée. Ou pas une calotte. C'est pas un rôle de penser là. Comment elle est mauvaise penser pour battre une calotte là. C'est pas un rôle de penser là, toi. Penser là, venir battre une calotte. Ton fils, non, mon fils, ça pense là. Tu trouves une bonne fée, tomber, tu trouves une affaire, n'arrive pas de une pensée pour avancer pour toi. C'est pas envie de penser là, toi. Non, mon fils, ça pense pas comment on va venir. Tu trouves une quelqu'un qui peut penser, tu as une pensée pour faire adulter à lui. Si tu as une pensée là, tu continues à méditer, tu penses là, comment mon cas fait ça, quand il peut sortir, il peut venir là, comment mon cas fait aujourd'hui, qui est capable de donner là, que ça m'a besoin de goûter là, tu peux nourrir une pensée là, les là qui te doivent faire, c'est qu'ils pensent là, tu dois. Le moment où tu as une pensée qui n'est pas venue de la parole de Dieu, tout de suite, tu dis, mon réfugie-toi, mon renonce à toi dans le nom de Jésus. Mon réfugie sa pensée là dans le nom de Jésus. Elle pensait l'amour, elle pensait être toléco, elle pensait pas être dans la case aujourd'hui, elle pensait y avoir le deux dans le bois, le temps de finir avec ça de temps, et finir ça de temps. Ça ne pensait pas, mais de Dieu, ça. Quand tu continues à manger, comment tu es dans le monde? Il y a qui te faire, ce qui pensait là, tu dois faire. Quand plus facile pour toi, tu ne sais pas. Ça veut dire quand plus facile pour toi, tu ne sais pas. When is it easiest to kill a snake? Voilà quoi que je disais. C'est écrit, oui. Il y a deux ans pour deux ans. Quand c'est pendant encore de ce Joseph, viens, avec ma poule. Tu vas me dire, quand je poule, papa, Joseph, c'est pensé, il ne sait pas bien avec Joseph. Je pour Joseph, il a sorti. Enfin, moi, c'est bien plus facile où tu ne sais pas que la poule de ce Joseph. Pas une pensée si pareille. Pas une pensée qui vous gagne. C'est plus facile comme détruire les pensées, même. Comme détruire les colloques, une pensée qui se scanne bien, une action finale, bah, qui finit à faire une méchanceté, une action finale, une mauvaise affaire. Après, là, on vient de faire face à une conséquence après. Ok, ben géant, il a pour but
pour infiltrer, pour mettre méchanceté, pour mettre ma mauvaise quelque chose, mauvaise action, mauvaise parole, mauvaise pensée, pour faire ma mauvaise affaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est une affaire qui est intéressante de ce verset-là. On risque de commencer comme ça. La Bible dit Noé, tu trouves grâce. Je dis Noé, tu trouves grâce. Est-ce qu'on les a réalisé que quand Noé perd en ce bateau, tout nous conduit histoire Noé, Noé perd en ce bateau. Est-ce qu'on les a dit au même, quand on dit ça passe à hasard, quand Noé, tu peux vivre autour de Noé, dans la période de Noé, dans la saison que Noé peut vivre, dans la génération de Noé, tu en as aussi autour de lui. Ça veut dire quand on tourne Noé, il prend un tas d'efforts, il fait un tas d'efforts pour les mains du bois, un rondin. Quand il fait un tas d'efforts pour les mains rondin, un bout de bois, pour lui faire bateau là. C'est la manzéon qui m'aime aussi. La manzéon, c'est quand même souffler comme ça, c'est quand même couper, c'est quand même tout ce que je les dois. C'est comme ça, mais ça va oublier. Non? Parce que j'utilise la zéon, j'utilise dans la force physique. Pour redire. Noé, Pérance, ce bateau. Noé, Pérance, ce bateau. Qui tient autour de l'ICR et nous? Géant. Julien? Géant. On va dire Julien. Tiens, géant. Écoute bien comment vous dire là. Et qui vont dire, diamant dire. Souvent dans la vie, nous, du monde, nous recoudons et nous disons. Nous, ici, quand nous repérons ce bateau-là, ça veut dire qu'il va être bien plus facile si, va, si comme dit, Noé tient un coup de main dans Zéon pour rendre ce bateau-là. Mais au lieu que Noé pense, il ne pense plus qu'ils sont bananés. Ils sont bananés pour rendre ce bateau-là. Si Zéon s'y donne un coup de main, pourquoi il a son jour, il rend ce bateau-là? Vous pouvez dire où? Arriver dans la vie parfois, quand on a un problème, nous on vit pas Zéon, mais de nous coup de main. Nous on vient du monde politique qui est en contact, nous on vient du monde qui est déjà là-bas, nous on vient d'experts dans la matière, nous on vient du monde qui est un géant dans ce domaine, et nous donner un coup de main. Enfin, nous sommes obligés de nous faire. Mettez confiance dans mon Dieu. Comment est-ce que vous êtes d'accord, une fois pour tout, que mon Dieu est plus grand qu'il n'y a pas de 10 ans? Comment est-ce que vous êtes d'accord que mon Dieu est plus capable qu'il n'y a pas de 10 ans? Peuple de Dieu, on écrit ça dans mon cahier. Don't expect giants to help you, expect Jesus to help you. Écrit ça qui encore. N'a pas attendu Manzéa, mais donne-toi un coup de main. Attends Jésus, mais donne-toi un coup de main. Parce que quand Zéon donne ta coup de main, frère, quand Zéon donne ta coup de main, je crois que tu as bateau là, je prends bateau là, plus je te mets là. Qui est comme si nous avons une idée pour faire des affaires? Nous, nous avons une idée ça. Nous, nous avons une idée là pour faire ça. Sans ces 10 minutes de coup de main, finalement, les gens ne vont pas s'en aller. Peuple de Dieu, il n'arrive rien à nous faire Jésus. Il n'arrive rien à nous laisser Jésus de nous coup de main pour rendre ce bateau. Il n'arrive rien pour les Jésus de nous mettre pour rendre au foyer, ou les Jésus de nous mettre dans l'éducation, ou les Jésus de nous mettre dans le ministère, ou il n'arrive rien à prendre décision l'année sans et prendre décision pour annoncer pour ne pas mettre confiance dans l'homme. Amen. L'homme pour changer, l'homme pour trahir où? L'homme. Sur l'attitude pour changer après, l'homme pour dire au pays après. Jésus, amen. Quand Jésus nous dit les gratuits, commencement, c'est à la fin, il est gratuit. Au milieu, il n'est pas pour payer. Je te dis amen. Amen. Alors, on va dire, Noé, quand il range bateau, c'est le manzéon autour de lui. Et à aucun moment, Manzéon va me donner coup de main. Bon Dieu, vous donne-toi coup de main, mon frère. Bon Dieu, vous donne-toi coup de main. Nous avons fait un objet à terre. Qu'est-ce que c'est, bon Dieu, diamant? Frère Arvin, qui tient autour de Noé quand Noé verront sa bateau là? Zéon. D'accord? Qui tient là? Zéon. Est-ce que Manzéon vient détruire sa bateau là? Mandarabasso. Mon déclaré dans le nom de Jésus. Peu importe que ça qui croit, il y a un félon. Peu importe que ça qui ne va pas croire, il y a un ténor. Peu importe que ça qui ne va pas croire, il y a un zéant. Peu importe que ça qui ne va pas croire, il y a un plus grand statue, il n'y a pas trop solide quand il m'en sait. Peu importe qu'il zéant, il est capable d'être au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas pour détruire ton foyer. Il n'a pas pour détruire ce qui toi te péranger. Il n'a pas pour toucher ce qui toi te mettre la main pour faire. Je te dis à un collègue en Russie. Pas pour aucun zéant pour capable de dire ce qui toi te péranger. Parce qu'ils vont dire du temps comme ça. Merci Seigneur. Toujours dans Zéon. Sœurs et frères, Noé pérance un bateau au milieu de la terre. Quand il n'y a aucun délo, il n'y a aucun navire, il n'y a pas de délo, dit tout. Dimoun, tu peux m'oublier. Bon, moi, mon frère, mon sœur, Dimoun, tu peux m'oublier. Et bien sûr, quand Dimoun peut m'oublier, qui lui dit, Béléala. Il dit, mais on se bat, tu vas la bête, il a mis pour tomber, il dit, Béléala, pas de problème. Peuple de Dieu, Noé pérance ce bateau. Ou bien pour Dieu, est-ce qu'il veut connaître Manzéon, l'ancienne bouffonnée?
Est-ce que vous connaissez la vision ancienne Mokli, Inrili? Moi, on appelle ça Mokrisian. Un petit mot capable de faire un mot avec un petit bouche, un petit mot, un petit mot, un petit mot. Parce que c'est un jour un grand bouche, il vous mot. Il vous mot un gros mot. Il vous mot un gros bouffonné. Hein? Bon, enfin, monsieur. Moi, là, vous dire aujourd'hui, si Dimon peut faire bouffonnerie avec vous, si aujourd'hui ou Noé, si ban bouffonnerie, ban jalo, qui ban Dimon mettait de travail au toit, le de l'école, le de l'éducation, le de couler, le de carrière, le parce que tu as saisi, le parce que tu travailles, le parce que tu manges, le parce que tu as bien, peu importe qui est capable de faire, peu importe, ça dit long. Voilà, vous dites, aujourd'hui, peu importe qui est zéant, et moque-toi, peu bouffonne-toi, avec ta stratégie, avec ça. Pas les salir en soi. Pas les salir en soi. Maintenant, quand Noé prend sa bateau là, Noé prend un bateau pour mettre Kazela là-dedans. Ouais, plus grand que Kazela. Ou Chaka. Ouais, c'est Maïna dans Sud-Afrique. Ou bien, ben, grand safari de Lézard, elle est là. Pour mettre un tas d'animaux là-dedans. Qui grandit à ce bateau là, vous avez été en passant les titres à l'étage. En passant, vous êtes eux. Bateau là, titre à l'étage. Hein? Qui grandit à ce bateau là, c'est capable d'être pour mettre un girafe. Attention, quoi, girafe, nous avons vraiment sur les courses, nous sommes pendant 40 jours, combien d'années. Elle est sortie, nous sommes sur les courses. Ah, il y a un gâteau de chicolin. C'est pas comme ça, tu es sur les courses. Vous voyez comme ça? Non, 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 monsieur. Non. Quand Noé, bon Dieu, j'allais vraiment ce bateau là, il est giant size. C'est grand, c'est immense. Maintenant, quand Noé prend sa bateau-là, là, on peut extrapoler, et pas de la Bible, on peut ça extrapoler. Quand Noé prend sa bateau-là, dis-moi, tu es capable d'aller te prendre sa bouseille en qui? Dis-moi, même pour rester là-dedans? Hé, pourquoi tu prends ça? Dis-moi, même ça? Quand Noé prend sa size-là, sa grandeur-là, hé, tu feras mieux dans ce sujet, dis-moi, ça ne fait pas 25 places. Frère? Quand tu as dit 3 du monde, toi, tu es madame avec ton petit fille, 25 places, tu voulais. Si bon Dieu met une vision dans toi pour faire des affaires grandes, devenir grand. Amen. Si bon Dieu met une vision dans toi pour faire des affaires d'après size, bon Dieu, pas faire d'après size de famille. Amen. Hein? Amen. 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 Quand le même commence sur le bateau, du monde, il vous fait oui, de penser aux ayants d'or, hein, ça grandit là, de péranger. Tu penses à une grande affaire comme ça pour flotter, même ça? Oui, il peut flotter parce que bon Dieu t'a arrangé. Tant que bon Dieu t'a fait une affaire, mon frère Moséa, tu n'as pas besoin de pour faire les couler. Et qu'est-ce qui te parle? When God has asked me to do something, there will never be a giant who will be able to sink it. Pas pour une personne pour faire de la santé couler. Pas pour une personne pour faire de promotion couler. Bon Dieu, tu t'as rendu travail là, non? Tu le mets de l'épée là-bas, ça passe à l'épée. Je te dis amen. Alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, et que ça donc aille. Do not let the eyes, the words, the sounds of giants discourage you in your building, whatever God has asked you to build. N'a pas les sons qui van zéon peut faire. N'a pas les moqueries qui van zéon peut faire. N'a pas les challenges qui van zéon peut faire. N'a pas les paroles qui van zéon peut dire toi. N'importe qui se cap et service stratégique. Oh, oh, oh. Si limon là capable de chiter comme ça et de couper devant la porte, ou bien coco là capable de gros comme ça et de casser devant la porte, ou bien il n'y a ni limon ni coco, ni point de mêle en domaine qui casse devant la porte. Même peuple, qui? Grandier, où il n'y a pas rien à dire en soi. Grandier, ça fait là, pas pour dire en soi. Il n'y a pas de gens pasteur, il y a des salons qui ont la bouche, ils ont mis devant la porte. Eh, hey, oh, oh, oh. Jésus sur la croix, il vient puis là, puis ça. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 16, bon Dieu, grâce à la tête de Satan, va modifier. Je te dis amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, n'a pas les secrets de commentaires au Facebook dérange-toi. Peu importe qui Zéon, il écrit ça. Peu importe qui title, il y en a. Peu importe ce couleur. Peu importe, il met ça beau, il met une photo, il dessine. Peu importe qui ricanerie. Peu importe qui caricature, il fait contre toi. Mon frère aussi, n'a pas les secrets de Zéon. Empêche-toi, vite ce qui te besoin de venir. Je te dis amen. N'a pas les secrets de Zéon. Empêche-toi, développe ce qui te besoin de développer. Mon frère aussi, c'est pas ce qui dit mon indien qui amène un bouchon manger dans la table. C'est qui bon Dieu dit. Après ça, mon pas qu'à ce qui dit mon indien. Parfois, oui, mon pas en considération ce qu'il dit pour me dresser. Parfois, mon pas pour tout moment. Quand tu vois une fin de mort, oui, peut-être une partie raison, c'est qu'il veut me dresser, m'ajuster. Mais pas pour laisser ça, c'est mon dicter, c'est qu'il m'a fait faire. De tout jamais, de tout jamais. Merci Seigneur.
Souvenez que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Noé, il partit paisir, se ranger, et qu'un côté de la main, il fait ronger bateau, et qu'un côté de la main, il prend elle. Allô, toi, dans Jésus, sauve-le! Un côté de la main, il fait coulouter, il fait ronger bateau, et l'autre côté de la main, il dit, moi, il est un preacher of righteousness. Noé est un prédicateur. Noé, qui c'était? Prédicateur, il est un preacher, mais tu veux prêcher, mais tu vas avoir une souplesse, mais tu vas avoir une souplesse, il fait prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, justement? Noé peut prêcher, même si tu es un océan autour de lui. Ça fait un mot de Dieu. Il y a avec un mentir, comme on peut prier, bon Dieu, mais t'as une pensée comme les guerres. Moka, quand bon Dieu vient mettre nous la stratégie. Vous connaissez la cour là-bas? Vous connaissez ou pas connaissez? Est-ce que vous connaissez la grande décision qu'il prend là-bas? Est-ce que vous connaissez qu'il y a une décision importante qu'il prend là sur la cour là? Il y a un grand business de l'autre côté, par million tous les jours. Il y a une recette par million, peut dérouler. Ça va gâter là. Est-ce que vous connaissez Paul Dianou qui est dans la Paul Dianou? C'est quoi ça, MB? Qui nous fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'issue après là? Par tout le Maurice? Je peux réaliser, nous, l'église, que tu étais là? Dans le sang? Vous pensez qu'il y a ça? Comme Dieu nous prie, vous êtes prié pour nous, l'église. Et quand bon Dieu met nous aussi dans sa moka là, prends les temps tous les jours, déclarer au nom de Jésus que nous avons un bon zisement dans sa cour là. Personne ne va vous pervertir la justice de sa cour là. Au nom de Jésus Christ, tout le monde et toutes les guides qui sont aussi dans sa cour là derrière, c'est la guide bénie, c'est la manger et bénie. Au nom de Jésus, n'importe quelle activité qui va venir dans sa bagatelle là, c'est un jour là, vous êtes sauvés. Il pas par hasard, bon Dieu met nous en place côté nos finances, qu'à se dérouler. Côté dans la loi qui est maintenue et côté dans la manger qui est distribuée. Amen. Pas qu'on lit à la légère. Zou va arriver si bon Dieu pour permettre une branche à produire dans le centre, là, côté dans tout le head office, l'équerre, côté dans l'assemblée, côté dans le parlement, côté dans tout, nous allons prier si vous avez dans le dimanche. N'est pas par hasard que bon Dieu positionne dans certaines places. Ok, nous n'avons pas cause là. Retourne dans Pierre, 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Noé est un preacher of righteousness. Aujourd'hui, ça fait, monsieur, madame. Ou prêche l'évangile, si c'est un séant ou bien si c'est un fourmi devant toi, te conti prêcher toi. Dis-moi là son propos, son raisonnement, son doute, son unbelief. Il n'y a pas quoi. Demande pas quoi, son parcours est un séant. On appelle ça comme ça, giants of unbelief, giants of mockery, l'opposition. L'année prochaine, vous organisez beaucoup de cellules. L'année prochaine, vous regardez, c'est fini là, je vais. 9 mois, on va faire 9 mois de salvation là, là. C'est fini. L'année prochaine, tout le monde va au travail, discipline, tout le monde pense faire cellule pour organiser vos fautes dans la direction qu'on a, comment on fait montagne blanche. Quand par ça, vous devez faire cellule. Même que cellule est là, il va au WhatsApp. Ne pas nécessaire de rentrer à faire cellule à ce terme. Pour WhatsApp, nous mettons WhatsApp là, nous mettons Dieu, nous mettons 5 jours connectés, faire cellule, poser des questions, malades, répondre, personne pratique, tout. Vous pensez cellule comme ça, c'est nous. Après ça, on dans l'église, pas qu'à dire, parce que mon père, on se parle à son maman qui vous dit, mon papa qui vous dit, comment vous êtes dans la case. C'est fini, on voit comme ça, problème là. De Dieu, WhatsApp, connecté, faire une cellule. Comme de Dieu, moi, ce truc qu'il a, quand on arrive, je donne à vous prêcher, je prêche, je. Et dans un séant, devant toi, et dans un séant, te prêcher. Tu m'en as pas, n'a pas quoi de dire la vérité. Il a accepté, il n'a pas accepté, toi, tu pourras encore le bon Dieu, pour dire, toi, tu as besoin de Jésus, pour sauver toi. Preach. In the face of any giants. Écris ça. Monica Salomon, preach in the face of giants. L'Iguali, pas quoi, ça dit, prends compte en bon Dieu. Toi, tu continues, Jésus. Le tout, amen. Genèse chapitre 6, verset 8. Noé, il nous grâce devant les yeux, bon Dieu. Wow! Noé, qui trouvait? Sœur, l'école maternelle, Noé, qui trouvait? Ça ne va pas trop trouver vous là. Sœur, qui Noé trouvait? Est-ce qu'il y a un zéant, un câbleau, un câbord, noué sur la grâce? Pas pour une personne qui a bord la grâce dans sa école maternelle là, prépare-vous dans le décembre, et les parents peuvent venir pour inscrire, janvier, et les parents peuvent venir quitter d'autres enfants pour veiller, ainsi de suite. Prépare-vous. Et pas qu'à ça dépend qu'il arrive là pour aller devant l'école. Béni, je t'ai donné, parce qu'il fait pas son nouveau béni. Je te dis amen! Bon Dieu, amen, il remplit le filet qui les a remplis? Qui filet, bon Dieu, tu remplis? Filet pire. Mais quand il s'est rempli, lui? Quand il s'est vide? Si on est qu'un vide, gloire à Dieu, ou les cœurs, là, n'est pas fait pour bon Dieu remplir.
Si vous sentiez vous vide, ou un démon idéal, ou un candidat idéal pour mon Dieu faire le miracle, je dis jamais, ou poste vide, ou casse vide, ou tègre sans vide, gloire à Dieu, c'est un candidat idéal pour mon Dieu faire le miracle, je dis jamais. Pendant 15 ans, qui commence à empêcher sa grâce de Dieu manifester et venir dans toute la vie, je dis jamais. Certes, vous avez des garçons, pas pendant un an, pas pendant personne, pas pendant aucune circonstance, qui a bas aux enfants ce bonheur, bas aux enfants sur la grâce sur la vie, je dis jamais, connais qu'elle a réussi. Genèse 6, verset 9. Ça, ce sont des générations de Noé. Il y a des mots garçons. Genèse 6 et le verset 9. Karabashon de Noé. Voici la postérité de Noé. En postérité. Il appelle ça postérité. En anglais, c'est generation. Generation. Postérité veut dire génération. Postérité veut dire génération. C'est tout qui est moi. Pendant 15 ans, qui n'est capable de bloquer la génération de Noé. Je prophétise ça dans l'église. Pas pendant 15 ans, pas aucun démon qui contrôle, qui manipule cet endroit depuis longtemps. Pas aucune puissance mauvaise dans l'air. Pas aucun esprit territorial. Fait, hey, moi qui principauté ici. Tu vas d'accord? Un jour, Pierre, il a une vision. Il a une vision, un drapé sorti. Qui c'est notre drap là? T'as ton coco? Qui c'est notre drap là? T'as un pourri? Qui c'est notre drap là? Quand t'as qui? Dans le drap là, t'as un animaux. Quatre la tête, dix la patte, ben des animaux bizarres. C'était un démon, c'était un esprit mauvais, c'était un idole qui m'a dit, on a su prier dans cette époque-là. Quel bon Dieu qui te dit, tout y est demandé. Quel bon Dieu dit? Un jour, je suis avec Pasteur Max, il dit, moi ça. Tu n'as pas cassé ta tête, toi? Ça gâte au coco là, là? Ça vous mangez, ça fait là. Pas cassé ta tête aucun temps de religion. Tu gâte au coco, ça te mange, ça. Arrête de perdre ta idolâtrie, mon frère. Je te dis, mangez, gardez ça. Je te dis, mangez, gardez ça. Mangez, gardez ça. Nous, quand nous parlons, peut-être, dimanche tantôt, nous pouvons ça ici. Quand Josué a rendu visite, a exploré la terre promise, et quand Josué retournait, dit Satan, dit, aïe, il va vous cavaler, il y a trop grand, il y a un géant qui est là-bas. Et là, Josué vient dire, oh, 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 tchombo, tchombo, tu vas me pleurer là, oh, oh, oh. Nous mangeons garder ça, nous pouvons manger ça. Josué va s'en en Gaza de sa époque-là. Je ne sais pas pourquoi on dit, nous ne pouvons pas manger 20 ans, nous ne pouvons pas manger, nous ne pas manger cannibal, au niveau, non, nous ne pouvons pas manger là, spirituellement, nous ne pouvons pas manger. De tout jamais. S'il y a une situation devant toi qui peut résister, toi, tu peux manger. De tout jamais. Et moi, déclarer dans le nom de Jésus, pas pour la personne qui vous dérange cette génération. Et verset 13. Dis verset 13, mon garçon. Alors, Dieu dit à Noé. Dieu dit à Noé, tu veux la même. Qui Dieu le fait? Dieu dit à Noé. Arrivez parfois si vous me prenez. Bien longtemps, dans les jeunes pays, pas de Maurice, hein, Maurice, parfait. Arrivé parfois, quand longtemps, il y a un lettre, vous voyez, l'État pas côté du monde, parce qu'il va là bloquer l'État, l'État disparaît, l'État là par les Sévénies, vous avez quand même arrivé avec l'État. Je bloque l'État. Je ris d'arriver avec lui. Comment vous me souvenez quand vous m'avez dit un message pour dire, moi, peine aucun zéant quand vous bloquez ça? Non, non, mauvais dire. La Bible dit, moi, Dieu dit à Noé. Je dois dire Dieu. Dieu. Je dois dire Dieu. Dieu. Dit. Dit. À. Noé. Noé. Quand bon Dieu n'a pas cause avec Noé là, ben aucun démon qui a bloqué ça, hein? Quand bon Dieu n'a pas cause avec Satan, un démon qui va venir empêcher ça? Bon Dieu, t'en rappelles? Bon Dieu, tu es Satan dans ton job. Quand tu es traîné là, il vient dans ta main là. Quand tu es traîné, comme ça va dire. T'en rappelles sur Job? Et là, il dit, tu es traîné pour tout. Et là, mon Dieu, vous allez donner mon service de Job. Pourquoi on sait, quand mon Dieu, c'est quoi, c'est que Nebuchadnezzar. Tu te rappelles, un Nebuchadnezzar, il connaît trop grand pétou, lui. Il est trop grand pétou, lui. Ouba, ouba, ouba. On se dit, l'ami. Il dit, qu'est-ce qui comme c'était mon rangé? Qu'est-ce qui comme c'était mon fils? Si pas tiens à moi, là. Faites me causer, lui causer. Et là, mon Dieu, il dit, oh, allô. Insensé que tu es. Je tiens de quoi, Zanimou, là. Et vous voyez, ça m'est arrivé. Ça se souvient, mais moi, j'ai un niveau. Maintenant, prenez un mani dans la forêt, il reste dans la forêt pendant cette banane. Foile, plume, poule poussée dans les deux. Ce zombie, vient commander un zombie poule, il vient gratter pour manger. Je scole, tu commis la belle et la bête. Je scole, tu m'as dit qu'il invente ça. Il est basé dans sa histoire des mécanisateurs. Quand les mécanisateurs, tu viens la bête. Dans le film, il dit toi, quand il dit toi, quand la bête, il se donne l'amour. Si finalement, il est content, ainsi de suite, là, il revient du boule. Hein?
dans l'histoire vraie, l'histoire de la Bible. C'est pas l'amour qu'il a découvert. Il nous a reconnu qu'il y a un bon Dieu qui nous a reconnu. Il nous a mis dans l'humilité. Et là, il revient du monde. Et bien, tout de suite, on est retourné de parler, il reconnaît le gouvernement. Ok. Pourquoi ces histoires, on appelle ça tout à l'heure, Pinocchio. Pinocchio rentre dans la mousse, poisson. Pourquoi tu communiques ça? Inspiré de l'histoire Jonas. Comme ça, il y a beaucoup de bonnes histoires qui. Bon. Ok. De Dieu, pour Dieu, tu as fait maintenant. Quand bon Dieu n'a pas causé avec toi, pas qu'on n'a pas causé, qu'on n'a pas causé, qu'on n'a pas causé, tes oreilles pour ouvrir, mon camarade, l'assiette pour fondre dans le goût. Hein, tu peux t'emmener quand bon Dieu cause autre là. Quand bon Dieu, parce qu'il se parle, quand même, tu les gars, il faut une suite qui s'est fondée. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Ok. Comme de Dieu, les ciels sont ouverts, dans cette nuit. Et quand les ciels sont ouverts, quand les ciels nous viennent dans l'histoire nouvelle, qui tombe? Qui commence à tomber? La pluie. Alors, je te fais comme ça. Je te dis Barish. Barish. Je te dis Barish. Barish. Quand Barish tombe. Ben, j'ai un peu ça, non? Quand Barish commence à tomber, vous pensez tout ça, c'est qui tient en fait comme ça? Est-ce que tout ça, c'est en un cas boire, tout ça, la pluie qui est tombée là? Non. Et qui bon Dieu, j'ai commencé à réfléchir. Mais non, qu'un zéon qui est capable de bénédiction. Après, non, qu'un zéon, mais non, qui est capable de bloquer mon bénédiction. Quand les ciels, ils décident pour donner des affaires. Quand les ciels, ils finissent l'organe des affaires. Quand les ciels, ils finissent commissionner des affaires. Quand les affaires, des gens ont mon nom pour faire mon zéon. Pendant qu'un zéon, papa zéon, maman zéon, pendant qu'un groupe zéon, pendant qu'une génération zéon qui est capable de boire mon bénédiction. Je dis, tu connais un adversaire. Vous voulez faire bon Dieu dire ça? Parce qu'il n'y a pas aucun zéon qui est capable d'empêcher ce bateau-là commence à flotter, démarrer. La flemme commence à venir. Je vais déclarer n'importe quel business au ténant. N'a pas quoi prendre un zéon pour bloquer. Tu vas à côté d'un petit garçon. Petit garçon, viens là. Allez, viens là, vite. Viens là, oui, tu vas venir. Allez, tu peux vite, finalement, c'est un peu vite, mon pépé. Quand on décide, allez, route, allez là-bas, allez, fais le manier, toi, allez, dégagez, allez. Quand on décide, c'est là pour décoller. Quand on a fait de toute la vie, on n'a pas arrivé, mon frère, mon Seigneur. Pénal, on a gagné en cas bloc. De tout genre, même. Pénal, personne qui est assez grande, qui peut casser une pause dans le port, qui peut empêcher de partir nouer des marées de haut. À peine une personne qui est assez grande, qui peut empêcher, qui me bloque avion Noé pour qu'il y ait un Noé à l'île de haut. Je te dis amen. Je te dis amen. Merci Jésus. Qu'est-ce que tu me l'écris là? There's no giant that can prevent your boat from leaving the ground. Ce qui n'a pas fait construction de la case, écoute bien ce qu'il m'a dit. Sa construction là, comme on a un petit dialogue, en travaillant sur en haut de la terre, c'est un homme qui a créé ça. Travaillant fini sur en bas de la terre, c'est-à-dire. Nous n'avons pas pu faire tant. Écoute-moi bien. Pas pour nous n'en nier. Pendant qu'un zéant. Bon Dieu, délivre-toi ce soir de toute petite chose qui est capable d'en faire sa projet-là, sa travail-là, sorti de la maladie. Je vais bénir par la parole de Dieu. Amen. On va terminer dans 10 minutes. Dans l'époque de Noé, laisse-moi dire ça. Avec qui ça fait David Titus au Goliath? Avec un roche. Est-ce que tu connais qui ressent ce poli? Poli, comment la joue derrière, tu peux pas? Poli. Poli, me dit, poli. Il dit poli. Ça, comme on parlait de l'histoire d'Abid, mon Dieu, Jésus, n'a pas sous-estimé Mandaraba Kobre de DVD. En anglais, il dit, the stone was smooth. Pour ça, comment tu étais, mon frère? Smooth. Pour ça, comment tu étais, mon frère? Smooth. N'a pas quoi à cause morose, poli? Qui ne va pas restituer ça à Goliath là? N'a pas quoi à cause d'un pasteur doux? N'a pas quoi à cause ou un monde doux dans le caractère? Que du monde pour capable continuer à faire ce qu'ils ont dit avec moi? Mon capable doux, mon capable tranquille, mon capable gentle of spirit, mon capable un monde qui ne va pas pour faire la guerre avec vous, mon capable pour répondre aux brites,
ou venir par une église, ou pas tout le monde, comme les autres pasteurs, pour tailler au code, quand on vit, ou venir au Jitoyen, quand on n'a pas envie. Quand on n'a pas beaucoup de monde, nécessairement faire brutal avec vous, comme les autres pasteurs que vous pouvez aller avant de faire. Mais n'a pas sous-estimé moi, comme un rose qui polie. You know why? Because I will meet my target. Ça vaut ça, tu es capable de polir la caisse. Mais quand on s'en lance, il arrive le target qui vise. Nous prenons 1000 âmes dans la montagne blanche, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le auditorium pour nous-mêmes. Nous prenons ça à l'université qui tous les temps nous fait causer là. Nous prenons dans le nom de Jésus, alléluia, pour péter feeling parmi nous. Nous prenons parmi nous pour péter la piste. Nous prenons parmi nous, bandimoun, alléluia, qui prend du blanc en blanc. Je te dis amen. Nous prenons le prière parmi nous dans le nom de Jésus. En ce moment, dans mon église, capable doux, capable tranquille, capable pas faire grand loi, capable pas pour connaître. Waouh, on est en humilité. Oh, waouh, on est en sécurité. Vraiment, je connais. Waouh. Pas que ça t'aide toi. Tu m'as un enfant tranquille, tranquille, mais tu dis maman qu'il faut. C'est pas Jésus qu'on est humain. Je te dis amen. La Bible dit à moi, David, tu penses au rose, tu tues Goliath. D'accord, d'accord. La Bible dit à moi, quand nous prenons Moïse prenons son bâton. Prenons son bâton qui lui peut servir pour drive out. Banzéon, il se prenait Banzéon, qui peut servir pour tuer Banzéon. Gloire à Dieu, tout ça. Et dans la même place que de vous trouver, par exemple, Sodome et Gomorrhe, c'était la grêle, c'était diffé, ainsi de suite, qui est tombé dans les ciels même, pour devenir des Banzéons. Gloire à Dieu. Mais ici, qui ça fait qu'il tue ce Banzéon? Vous devez savoir où on va. Qui ça fait qu'il tue ce Banzéon? Écrire ça dans le cahier. Écrire ça dans le cahier. One drop of water can be negligible. But a mighty outpouring, beware of that. Frères et sœurs, si moi prends un petit fusil de l'eau là, je te fais guider moi, moi tu me prends un fusil de l'eau. Si moi tu prends un fusil de l'eau, moi faire comme ça avec toi. Oh bien non. Hey, t'as pas dit rien moi. Si moi tu t'as débrouille comme ça là, débrouille comme ça bien, après moi prends un fusil de l'eau, moi avec toi. Tu es juste là, tu es mouillé. Vrai que là. Si vous prenez le pompier sur lance, vous venez maintenant comme ça. D'accord? Après, quand j'étais là, ouais, très content de vous comme ça, vous là, débrouille-toi là. Vous prenez le pompier sur gros lance, gros lance, net gros là, là, vous dites, wow, les gars, comment ça peut se faire là, mais les gars, les gars, t'es politisé, toi, les gars. One drop of water can be negligible, but not a mighty outpouring. Vous faites, monsieur, hein? Vous bien qui vous dites, moi. Et une petite chose qui est sortie depuis dans le ciel, ça déloula, ça a une goutte là quand tombé, il dit qu'à parler de l'aise. Combien de fois vous êtes capable de prendre une goutte de l'eau, mettre un poil, vous dites combien de kilos il dit. Moi, tu sais quand il y a un poil qui est glissé dans la tête. Pendant ça, pas même vous êtes. Poids. Poids là, capable de petit. Ce size, capable de petit. Quand tu sais goûter tout, capable, il fait un goût. Il dit qu'il me l'écrit là. Well, 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 just wait and see. Et qu'est-ce que tu as de ce cahier, je dis? There's something coming from heaven. Others might say, the weight is too little, the size is too small, the taste is tasteless. Well, 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 just wait and see. Continuellement, quand ça peut venir, mon frère Moséa, c'est un mot. Continuellement, quand ça vient, mon frère Moséa, ça l'église continuellement, quand on est à nouveau. Par ça, pas trop de chitine, vous ne vous êtes pas force. Si vous êtes nous payer ça, par ça, là-bas, toutes les semaines, on va faire aller. Continuellement, quand bon Dieu, vous faites maigrir, continuellement, quand bon Dieu, vous mixez tous les corps, continuellement, quand bon Dieu, vous faites ça, disparaître de toute la main, continuellement, quand bon Dieu, tu as ça, tu as regardé tous les yeux, continuellement, quand bon Dieu, tu mets dans ce CV là, continuellement, quand bon Dieu, vous faites ce CV là, poussez, vous faites pousser. Préparez-vous, vous êtes assis, vous faites ceci là. Je te dis amen. Continuellement, quand bon Dieu, Seigneur, que tu, continuellement, quand bon Dieu, pas vos enfants, dans l'école maternelle. Vous avez du monde pour payer, vous avez payé du monde pour faire la paix du monde, hein? Moi, je crois là-dedans. Moi. Et derrière, moi, je finis comment c'est ça dans mon église, je me demande du monde dans l'église, je finis là-dedans. Pour arriver, nous faire la paix pour du monde. Et là, là, oui. Au nom de Jésus, pour arriver, pour faire la paix pour du monde. Moi, je crois là-dedans. Ah, mais si elle tient, mon maman, tu mets l'école maternelle, je connais qui m'a payé. Quand nous prions, dans nos pieds, dans nos genoux, quand nous prions, l'école maternelle, tellement bien débrouiller aux enfants. Ils ont fait 3 classes, classe petite, classe grande, classe moyenne. Et qu'ils ont fait 3 classes, ils ont 3 misses. Ils ont fait 3 misses. Ils ont fait encore, ils ont fait mettre dans la cour pour jouer. Oui, oui, oui.
parce que à Genève, pour ce moment, c'est pour le matin, elle même affaire. Aujourd'hui, il fait la paix pour Dieu, ne mets pas dans la vie. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Je te dis amen. Amen. Alléluia. Bon, frère Moussé, il y a des affaires, bon Dieu, pour qu'on t'envoie de toute la vie. Les guides, ils commencent à m'en dire, on va voir. Ils ont regardé, David. Hey, tu vois, moi, lichien, moi, tutu, moi, tu viens avec du bois, avec bâton, pour qu'il peut prendre moi. C'est quoi, tu dis ça? Ici, il y a un cadre qui est dit, hé, moi, dis seulement, moi, dis seulement, moi, pour fond, moi. Madame, il n'y a pas pressé pour causer. Si il y a un cadre dans l'époque de Noé, moi, dis seulement, moi, pour fond, moi, après, c'est pour causer. Quand ça devient venir en tellement quantité, il a dit, il a les autres noms, les autres mamans, papa, frère, sœur, les autres dents, les autres zones, les autres CV, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il fait avancer en comptant impôts eux-mêmes. Parfois, dans l'école, c'est comme ça. Pas nécessaire de l'école, c'est comme ça. Évidemment, moi, l'école, c'est comme ça. C'est un garçon qui est un peu gros, un peu bien, un peu costaud. Et là, quand on dit, on a fait deux minutes avec vous. Quand on prend la place, je pousse vous et que je vends la place. Je vais vous dire. Ma tête, je vais vous dire, bon 16, pas 16 là. Je fais tout bon 16 là. Je coste ta 16. Je dis, toi, là-bas, je viens pas plus bon 16. Je impose quand je grandis. Mon frère, monsieur, mon Dieu, bonnes affaires. Merci, Jésus. Nous, qu'est-ce que ça veut dire là? Genèse 6, verset 22. Genèse 6, verset 22. La Bible dit à Noé, il fait exactement comme un bon Dieu a dit faire. Vous terminez là. Noé, il fait exactement comme un bon Dieu a dit faire. Noé, il fait ce qu'un bon Dieu a dit faire. N'a pas les choquins de Zéon. Empêche-toi de faire ce qu'un bon Dieu doit faire. N'a pas les choquins de critique, n'a pas les choquins de l'argent, n'a pas les choquins de contact, n'a pas les choquins de dimon, n'a pas les choquins de métal. N'importe qui est capable de dire. N'a pas les choquins. Empêche-toi de faire, bon Dieu, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que tu as envie de faire, je t'ai pris moi pour faire ça. Moi. Amen. Hébreux 11, verset 7. La Bible dit par la foi, Noé, tu construis. Par la foi, dans Genèse chapitre 6, verset 8, Noé trouve grâce. Et dans deux éléments extraordinaires, la foi avec la grâce. Je dois dire la foi avec la grâce. Two powerful elements which God has provided to win over, no matter the size of the giant. Aujourd'hui, mon budget a même affaire. Il y a des petites choses qui vont bien dans tout là. Pour gagner victoire, le nerveau qui est Zéon, qui m'a commencé à raconter des analyses de Zéon. Zéon intellectuel, mais tu es capable de manger plus intelligent que toi. La foi et que la grâce de Dieu est passée. La foi et que la grâce de Dieu est passée pour te gagner victoire. Tout le monde est plus compétent que toi, qui soit le qui est avant que toi. Enfin, monsieur, Zéon, tu es capable de vieillir qui Noé. Zéon, tu es capable de vieillir qui racine. Il sera plus vieux qu'il y a avant qu'il nous ait. La foi et que la grâce de Dieu est passée pour tout gagner victoire. Modèle Zoé, amen. Amen. On termine avec ça. Nous pouvons vivre dans la vie, nous aussi. On ne peut pas connaître dans la vie, personnellement, quelle qualité, dans les générations, dans les saisons que vous pouvez vivre. On ne peut pas connaître qui ça fait que vous ayez. On peut dire aujourd'hui, Dieu est un Dieu de délivrance. Psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Les histoires de David, pas besoin de dire les histoires. Comment on appelle ça? Giovanni. Giovanni. Vous avez une histoire, Giovanni. And her giants. Vous voyez, je connais qui title m'a mis comme pour cause, je ne vais pas finir de faire poster là, je ne vais pas poster là. Je connais qui title m'a mis comme pour cause David et Xoséon. Vous m'avez dit David, virgule, Goliath, and you. C'est ça mon title, mon subtitle. Le tout qui l'a montré aussi, il y a un peu de Xoséon. Encore une fois, Xoséon, il y a une maladie qui me dérange, il y a une jardine d'intention et de cholestérol. Xoséon, il est capable de vous marier, il n'y a pas de quoi de Jésus de partout. Xoséon, il est capable de travailler avec quelqu'un qui tous les temps. C'est difficile. Oséon est capable dans la case d'une petite chose qui peut être en train de Oséon est capable de bouquer dans les enfants sur la tête qui peut payer même pas qu'il fait un peu fini. Oséon est capable de donner des gars qui peut venir et déranger continuellement aux autres semaines et casser à soi. Une... Pour prendre qui est capable, mais dis-moi, le moment de dérange-toi, le moment d'un dérangeant de toute la vie, le moment d'un géant, de ce qu'il y a victoire. De tout jamais. Amen. On va terminer avec ça. Alors, Dieu, merci de ceux qui écoutent l'audio. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ferme-nous les yeux. Nous disons Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de délivrance. Délivre-moi ce soir. De tout bas géant. Politique. De tout bas géant. La religion. De tout bas géant. Intellectuel. N'importe qui façon. Dans la vie. Tout bas qui gagne. Assembler. Imposer. Contrôler. Manipuler. Oppresser. Assez à la main. La Bible dit l'ennemi combat Olivier. Tu es un Dieu de délivrance. Délivrez-moi de toute forme
Marchéant. Amen. On nous croit. Mon bon Dieu plus grand qui tout. Mon bon Dieu plus grand qui tout. Mon bon Dieu plus grand qui tout. Amen. Mon Dieu plus grand qui tout. Donc, si vous trouvez un chanteur, moi, j'ai un problème dans la peau ou la main, n'importe quoi, ça, hein. Que le moment où un petit changement arrive, pas sous-estime ça, oh. Dès le lapé coulé, un good pas, un good. Chaque changement que tu peux trouver, là, grâce à toi, te trouver la main là pour courir. De te l'égo, c'est une avantage. Pas dire, ah, vite, il a l'année sans aider, pourquoi t'as ça pas parlé, non. Rends grâce à Dieu, toi. Les gars, peuvent couler goutte à goutte, changement, puis venir goutte à goutte. Mais ils finissent, non? Changement, vous venez, hein? Le deuxième gloire à Dieu? Merci, Seigneur. Je vais vous prier pour ceux qui peuvent quitter là, ils m'ont des yeux de revoir parce que vous priez pour manger une qui est ici. Bien sûr, vous encourage si vous avez l'occasion, vous n'avez pas venir. Nous faisons des annonces, nous besoin.